Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 1. Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là et que tu tapes par exemple marketing, tu vas pouvoir avoir accès à tous les jobs de marketing pour travailler de chez toi. Indispensable que tu dois connaître, partie 2. Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là, tu peux regarder tous les matchs de foot, de tennis, de basket et d'autres sports gratuits. Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 3. Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là, tu peux avoir accès à tous les livres gratuitement. Il y en a énormément et c'est gratuit. Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 4. Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là, tu vas avoir accès à toutes les images et vidéos gratuitement et tu peux les utiliser, c'est libre de droit. Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 5. Est-ce que tu savais que si tu vas sur ce site et que tu choisis après l'endroit où tu veux t'entraîner, tu auras tous les exercices gratuits de sport qui te permettent de muscler cette partie. Indispensable que tu dois connaître, partie 6. Tu sais que si tu vas sur ce site, tu vas pouvoir créer une adresse jetable qui va te permettre de recevoir tous tes mails et d'éviter d'être spammé sur ton adresse personnelle. Indispensable que tu dois connaître, partie 7. Tu savais que si tu allais sur ce site web, tu pouvais avoir accès à une machine à remonter le temps et avoir accès à toutes les anciennes pages internet de tous les sites. Par exemple, tu peux regarder TikTok.com, tous les enregistrements qui ont été effectués. Là, la page de TikTok en 2018. Indispensable que tu dois connaître, partie 8. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à plus de 150 pitchs de start-up et c'est les premières pitchs quand ils ont lancé leur activité. Et il y a les marques les plus connues. Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 9. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à un outil qui te permette de créer des playlists pour te relaxer ou travailler. Donc ça peut être des bruits extérieurs et c'est... Indispensable que tu dois connaître, partie 10. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais voir en temps réel tous les avions dans le monde. Tu peux soit faire une recherche par nom d'avion ou alors tu peux directement cliquer sur un avion et tu auras toutes les informations. Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 11. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu peux trouver l'adresse email de n'importe quel. Par exemple, je tape Canal+, et donc ils te montrent comment sont composées les adresses. Donc là, tu vois que c'est prénom.prénom@canalplus.fr. Les sites que tu dois connaître, partie 12. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à énormément d'outils qui peuvent te servir dans la vie quotidienne. Tu peux faire énormément de choses. Grâce à ce que tu dois connaître, partie 13. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à tous les codes Wi-Fi partout dans le monde. Et regarde, en fonction de ta localisation, tu vas trouver tous les Wi-Fi qui sont disponibles et tu peux avoir les... C'est ce que tu dois connaître, partie 14. Tu savais que si tu allais sur ce site-là et que tu commençais à dessiner... Tu pouvais directement être corrigé par l'ordinateur et moi je voulais dessiner ça. Indispensable que tu dois connaître, partie 15. Tu savais que si t'as... Est-ce que tu savais que quand t'allais sur Wikipédia et que t'avais un article de ce genre-là, par exemple, qui était très très long, il suffisait de modifier le EN en simple et hop, t'as un résumé d'article ultra court. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 17. Connaître, partie 18. Si tu allais sur ce site là, tu pouvais regarder énormément de films gratuitement en HD et sans pub et sans que tu dois connaître, partie 19. Tu savais que si tu allais sur ce site là, tu pouvais avoir accès à énormément de vidéos en 4K de drones qui sont gratuitement et que tu peux utiliser comme tu veux sans que même choisir exactement le type de vidéo que tu veux. Pour télécharger, tu as juste à cliquer. Indispensable que tu dois connaître, partie 20. Tu savais que si tu allais sur ce site là, tu pouvais trouver le film parfait à regarder avec ton date. Imagine que toi, tu veux regarder Harry Potter. Elle veut regarder Pretty Woman. Ça va te chercher un film qui va vous correspondre à tout. Site indispensable que tu dois connaître, partie 21. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à tous les anciens jeux auxquels tu peux jouer sur ton ordi directement? Tu as juste à cliquer sur un jeu et c'est parti. Tu peux jouer à tous les anciens jeux que tu connaissais.
indispensable que tu dois connaître, partie 22. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à toutes les fonctionnalités comme Photoshop, sauf que là, c'est complètement... Indispensable que tu dois connaître, partie 23. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, alors déjà, tu pouvais apprendre parmi les plus grosses institutions du monde. Tu tapes Harvard, par exemple. Voilà tous les cours auxquels tu as accès. Et je vais choisir celui-là. Donc tu vois que ce cours-là, par exemple, il est gratuit. Donc dès que tu l'as fini, tu peux dire que tu es diplômé. Indispensable que tu dois connaître, partie 24. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à des millions d'icônes gratuitement. Par exemple, j'ai tapé TikTok et voilà toutes les icônes. Tu peux les télécharger. C'est pour ça que tu dois connaître partie 25. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à toutes les activités qu'il y a à faire dans toutes les villes du monde? Je suis sur Paris, par exemple, et dès que tu vas cliquer sur une activité, tu vas avoir tous les détails de tout ce que tu peux faire. Donc, c'est les musées, toutes les expériences que tu peux faire partout dans les villes dans le monde. Quand tu cliques sur une ville, voilà toutes les attractions et à chaque fois, tu as une... indispensable que tu dois connaître, partie 26. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais voir toutes les prédictions du futur dans le monde. On va regarder New York, par exemple. À quoi va ressembler New York en 2040. Indispensable que tu dois connaître, partie 27. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à toutes les spécialités locales qui existent, les spécialités régionales partout dans le monde. Si tu cliques sur une spécialité, tu vas avoir toute l'histoire de la spécialité, avec quoi tu peux la marier, où est-ce que tu peux en acheter. Indispensable que tu dois connaître, partie 28. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu avais accès à plus de 95 outils qui sont totalement gratuits et il y a de tout. Donc tu peux par exemple checker du plagiat, tu peux réécrire des articles, tu peux faire énormément de choses, que ce soit sur de l'écriture, pour des noms de domaine, pour manager des sites web. Et tu as énormément. Par exemple, tu as beaucoup d'outils qui existent aussi en langue française. Indispensable que tu dois connaître, partie 29. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais en fait retrouver toutes les phrases qui sont dites au cinéma dans des films. Je te montre un exemple. Indispensable que tu dois connaître, partie 30. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais retirer l'arrière-plan de n'importe quelle image et c'est automatique et gratuit. Voilà par exemple une image originale et une fois que l'arrière-plan est enlevé. Indispensable que tu dois connaître, partie 31. Tu savais que si tu allais sur ce site-là et que tu mettais ta date de naissance, tu pouvais avoir accès à tout ce qui s'est passé depuis que t'es né. Par exemple, moi j'ai respiré 199 millions de fois et j'ai passé 3328 jours à dormir. Mets ta date de naissance et regarde ce qui s'est passé. Que tu dois connaître, partie 32. Que tu savais que si t'allais sur ce site-là, t'avais la possibilité de télécharger tous les logiciels pour Mac, pour PC, gratuitement. J'ai tapé Photoshop pour Mac. Voilà tout ce que t'as et t'as plus de 60. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 33. Tu savais que si t'allais sur ce site-là, t'avais la possibilité en fait de voir pour tous les sites internet qui existent comment tu pouvais supprimer ton compte. Il y en a certains où c'est dur, il y en a c'est impossible, il y en a c'est facile et en fait ils te donnent toutes les infos. Je te montre un exemple. T'as énormément de sites et c'est entièrement gratuit. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 34. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais regarder énormément de films et de séries qui viennent de sortir gratuitement et sans pub? Et regarde, je te montre les derniers films qui sont sortis. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 35. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait, tu avais accès à des cours en ligne qui sont gratuits par Google. Et en fait, donc là, tu vois, il y a 28 formations. Il y en a certaines qui ont une certification incluse, donc ça te permet en fait d'ajouter ça sur ton profil LinkedIn. Et ça t'apprend en fait énormément de choses. Donc il y en a qui durent 40 heures, il y en a qui durent 1 heure, 2 heures. Sur le marketing, sur voilà, des compétences personnelles, comment rechercher un emploi. Donc voilà, tout ça est gratuit. Celles qui permettent d'avoir une certification, en fait, tu reçois ça. Et donc, ils disent que ça te permet d'améliorer ton CV, de trouver un emploi ou de booster ta carrière. Je t'invite à aller voir. C'est pour ça que tu dois connaître, partie 36. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès en fait à tous les sons qui sont viraux en fait sur TikTok, avec à chaque fois le nombre de vues, le nombre de likes, le pourcentage d'engagement et le son. Donc ça te permet en fait de booster tes vidéos. Tu cliques ici, tu as également accès à tous les hashtags de la semaine qui sont viraux également. Donc ça te permet de booster encore une fois tes vidéos. Donc vas-y, essaye et regarde ce que ça fait sur tes vidéos. Que tu vas connaître, partie 37. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu avais la possibilité d'avoir énormément d'informations sur ton nom de famille. Je te montre ça tout de suite. Tu vas pouvoir avoir accès au classement de ce nom de famille. Tu vas pouvoir voir en fait la définition. Tu vas pouvoir voir en fait comment c'est réparti dans le monde. Tu peux voir aussi combien il y en a dans chaque pays. Donc on voit qu'il y en a 77 000 en France. Tu peux voir aussi la taille des Dupont hommes et femmes. Sur ce site-là, tu vas pouvoir voir aussi, pareil pour les prénoms,
générer des noms de bébés et les noms qui sont populaires dans chaque pays. Enfin, tu vas pouvoir avoir énormément d'informations qui sont publiques sur les naissances, les mariages, les morts et énormément d'autres choses. Indispensable que tu dois connaître, partie 38. Alors là, je vais te montrer un site qui est exceptionnel, donc ça s'appelle appcopy.ai. Et en fait, c'est un site qui va te permettre, par intelligence artificielle, de faire énormément de choses. Par exemple, créer des descriptions de produits, tu vas pouvoir créer des publicités. Tu as énormément d'outils et tout est fait par intelligence artificielle. Par exemple, moi, j'ai cherché des idées d'articles de blog et donc voilà comment ça se présente. Tu peux mettre ton produit ou ta marque et décrire ton produit. Taper une phrase, donc générer des revenus complémentaires facilement sur Internet. Et donc, tu as juste à cliquer ici. Ça va mouliner un petit peu. Voilà ce que ça me sort. Donc en fait, ça va te générer des idées de blog. Donc tu as énormément de titres d'articles qui sont en lien avec ce que tu as mis toi. Un autre exemple, donc là, c'est des intros, donc sur le même sujet. Donc voilà, ça te donne des phrases d'intro pour introduire en fait tes articles. Donc c'est hyper puissant comme outil et tu peux faire énormément, vraiment. C'est pour ça que tu dois connaître partie 39. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu vas pouvoir retrouver en fait plus de 92 000 cours qui sont entièrement gratuits. Donc je te montre des exemples, t'as tout, du marketing, data science, du design, enfin vraiment tout pour apprendre gratuitement. Donc t'as plus aucune raison de pas te lancer pour apprendre plus de choses. Regarde, tu peux même avoir des cours qui sont gratuits de Harvard, de Yale, des meilleures universités américaines, gratuitement. Et regarde, tu as plus de 1200 cours où tu peux avoir des certificats qui sont gratuits. Donc ça augmente énormément la valeur de ton CV. Donc n'hésite pas, tu n'as plus aucune raison maintenant pour ne pas te former à plein de choses, à tout ce qui t'intéresse. Indispensable que tu dois connaître, partie 40. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais regarder tous les sports entièrement gratuits, en direct. Donc tu as tout, de la boxe, du foot, de la Formule 1, du tennis, tu as tout gratuitement. Indispensable que tu dois connaître, partie 41. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait, tu avais un classement de toutes les villes en France qui sont notées sur plusieurs critères. Un exemple, j'ai pris Perpignan. Et donc, tu vois, en fait, c'est noté environnement, transport, sécurité, etc. Et tu as des commentaires, en fait, des gens qui notent les villes. Donc, ça peut être hyper intéressant si, par exemple, tu veux, bah, je sais pas, leur voyage, si tu veux faire de l'investissement immobilier. Donc, c'est un super outil qui te permet d'avoir des infos sur toutes les villes. Tu dois connaître, partie 42. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais bénéficier d'une aide qui va jusqu'à 250 € pour partir en vacances? Alors, ça peut être des séjours qui sont en France ou dans les pays de l'Union européenne, à la mer, à la montagne. Comme tu veux. En gros, c'est un soutien financier pour concrétiser tes voyages et c'est mis à disposition par l'Agence nationale des chèques vacances. Est-ce que tu es éligible? Il faut avoir entre 18 et 25 ans et résider en France. Toutes les conditions, donc soit avoir un revenu fiscal de référence en dessous de 17 280 € ou alors toutes les options que tu as juste en. Alors abonne-toi pour plus d'astuces et dis-moi où est-ce que tu vas partir en vacances. Que tu dois connaître, partie 43. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait, tu pouvais envoyer des fichiers jusqu'à 20 gigas hyper facilement. Tu as juste à mettre ton mail et tu peux partager ça à qui tu veux. Beaucoup plus simple que vous. Indispensable que tu dois connaître, partie 44. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais regarder en fait tous tes animés gratuitement et sans pub. Tu as vraiment tout ce que tu veux. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu peux regarder direct. Et ça marche de la même façon pour les mangas. Indispensable que tu dois connaître, partie 45. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à tous les codes secrets de Netflix pour pouvoir faire des recherches spéciales? Donc tu cherches des documentaires sportifs, tu as juste à taper 180 dans la barre de recherche et ils vont tous apparaître. Voilà tout ce que tu peux rechercher. Il y en a un paquet. Que tu dois connaître, partie 46. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais trouver toutes les alternatives aux logiciels payants? Par exemple, tu veux une alternative à Adobe Illustrator, tu vas avoir en fait toutes les alternatives gratuites ou payantes. Une alternative à Procreate, tu vas avoir par exemple ce logiciel-là qui est gratuit. Et ça marche vraiment pour des milliers de logiciels. Indispensable que tu dois connaître, partie 47. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais enlever tous les éléments que tu veux pas sur une image. Regarde comment ça fonctionne. Hop, il y a la voiture et elle disparaît. Ça marche pour un peu tout. Là, ils enlèvent le pain. J'ai testé sur des photos, ça marche super bien. Que tu dois connaître, partie 48. Tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu avais la possibilité, en fait, pour chaque série, d'estimer le temps qu'il te faudra pour la regarder en entière. Je te conseille d'aller faire un tour avant de te lancer sur une nouvelle série. Je te montre un exemple, Breaking Bad, 5 saisons. Donc pour regarder entièrement Breaking Bad, il te faudra 1 jour, 22 heures et 30 minutes. Que tu dois connaître, partie 49. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, tu pouvais avoir accès à tous les outils pour travailler sur les PDF? Par exemple, tu peux fusionner, diviser, les transformer, les modifier, c'est hyper utile. Tu peux ajouter des numéros de page, les protéger, mettre des filigrammes, il y a vraiment beaucoup. Que tu dois connaître, partie 50. Je vais te montrer un site que j'aurais vraiment bien aimé connaître quand j'étais au collège ou au lycée. Tu tapes Mathway sur Google et tu cliques sur le premier lien. Tu vas arriver, c'est une sorte de résolveur de problèmes et ça va te donner toutes les solutions à des calculs. Je te montre. Admettons, je mets f de x égale 19x et je clique juste ici. Que tu veux faire? Donc là, par exemple, je veux trouver la dérivée.
et en fait directement ça va s'afficher, il va te donner la réponse. Tu peux même afficher directement en fait les étapes. Ce qui est encore plus cool, c'est que tu peux même ajouter ton problème en photo et il va te le résoudre directement.